Je meurs sous des balles algériennes. Pour avoir aimé l'Algérie, je meurs seul dans un pays d'indifférence et de racisme. Je meurs pour avoir vu mourir l'Algérie au lendemain même de sa naissance et pour avoir vu bâillonner l'un des peuples de la terre qui a payé le plus lourd tribut pour affirmer son droit à l'existence. Rabbi Yarham Shuhada, vive l'Algérie, vive l'Algérie. Je donne la parole au camarade Youssef Aouchiche, parmi les secrétaires du FFS. Donc, je vais partager avec vous la lettre d'Anim Sili. Message d'Anim Sili à l'occasion de l'inauguration de la stèle, en hommage à Anim Sili au siège national du FFS le 10 avril 2021. Madame Missili poursuit dans sa lettre. Vous qui êtes présent aujourd'hui au siège national du FFS pour rendre hommage à Ali et à son combat, vous le savez bien, il vous appartient de faire fructifier l'héritage que vous avez reçu et de le porter aussi loin que possible. La décision prise il y a plusieurs années de consacrer le 7 avril comme journée du militant prend ici tout son sens. Belle initiative, nous avons confiance en vous, nous avons confiance dans les forces du peuple algérien. Vive l'Algérie, gloire à nos martyrs. Grâce à des hommes comme Alim Sidi, grâce à des hommes comme Hossein El Hamed et tant d'autres, le FFS est encore là. Comme il a dit Hossein à l'époque, c'est un miracle si le FFS est encore là. Mais le FFS est là, il le restera grâce à son combat de près de 60 années. Donc personne ne peut effacer le FFS de la mémoire des Algériennes et des Algériens. Son combat, il est là, il est long, il est dur. Nous avons donc Mouz Alim Sili, Mouz Mbark Mahiou, Rahimahullah aussi. Il a été tué à l'époque dans des circonstances aussi. Vous avez vu avec Drew Brandt, c'était Zerahmar Bir. Rahmar Bir Hanish, notre militant jeune de 18 ans, assassiné aussi en 2001, le 31 mai à Alger lors d'une marche pacifique organisée par le FFS. Rahim Allah, docteur Zmis Aïssat Rabah, PAPUI de Tizi Ouzou, assassiné aussi dans des circonstances troublantes. Parce que à chaque fois, quand un Zmisien, donc il y a beaucoup de militants dans ce pays, pas seulement du FFS, qui sont assassinés, soit par le pouvoir, soit par des groupes, d'autres groupes islamiques à l'époque, donc dans les années 90. Je rappelle donc que le FFS est là. Il va continuer le combat avec et aux côtés du peuple algérien. Loin du populisme, notre devoir aujourd'hui, c'est de construire un rapport de force, c'est de construire la société. C'est ça le plus important. Et on ne se contente pas donc des discours et des paroles. Il faut joindre l'acte à la parole. C'est une journée historique, c'est une journée qui nous rappelle évidemment un grand événement parce qu'Alim Sili a été toujours à côté de Sheikh Hussein, donc il a joué un rôle très important. Et malheureusement, c'est à partir de ce rôle qu'il a joué en 1985 qui a amené son assassinat. Voilà. Toujours lutté pour. D'abord pour l'Algérie et pour la démocratie beaucoup plus, parce que c'est là qu'il fallait absolument préparer l'avenir de l'Algérie indépendante. Et malheureusement, il a été assassiné, il est jeune à l'époque, et malheureusement, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est nous, ça nous rappelle quand même un homme qui a donné sa vie à la démocratie. C'est pour ça que cette journée est une journée mémorable qu'on a eu.
libération en 1965. Allez. Après, on s'est retrouvé plusieurs fois, on s'est retrouvé à Paris, et je l'ai vu 15 jours avant son décès. Et quand j'étais en voyage en Italie, quand je suis rentré d'Italie, c'est là qu'on m'a annoncé, la veille, le lendemain, on m'a annoncé la mort d'Alim Sili, le 7 avril 1987. De toute façon, l'action d'Alim Sili était, si vous voulez, un peu prévisible. Qu'ils arriveraient à d'autres situations par rapport au rôle qu'il a joué dans le rassemblement des responsables de l'époque. Parce que ce qui a coûté la mort d'Alim Sili est clair, c'était la rencontre de l'ordre, si vous voulez, à l'origine de tout ça.